welcome to fluent francais in this video alison will talk about how she visited a local market this is a great opportunity for learners of french to practice listening comprehension and vocabulary acquisition in a real-life context listen carefully une journée au marché je m'appelle alison aujourd'hui je vais vous raconter ma journée au marché C'était une belle matinée ensoleillée lorsque je me suis réveillée. Après avoir pris mon petit-déjeuner, j'ai décidé de faire une promenade au marché de mon quartier. En sortant de chez moi, j'ai immédiatement été accueillie par les senteurs alléchantes des fruits et légumes frais. Les étals colorés étaient remplis de produits locaux, des fraises juteuses, des pommes croquantes et des carottes fraîchement cueillies. J'ai marché lentement, en prenant le temps d'admirer les produits exposés. Alors que je flânais entre les stands, j'ai remarqué un vendeur proposant des fromages artisanaux. Intrigué, je me suis approché pour en savoir plus. Le vendeur m'a gentiment offert une dégustation de différents fromages, chacun avec son propre goût unique. J'ai finalement acheté un morceau de fromage de chèvre crémeux, Parfait pour accompagner un verre de vin le soir. Continuant ma visite, j'ai trouvé un stand vendant des fleurs fraîches. J'ai choisi un bouquet de roses rouges pour ma mère, sachant qu'elle les adorait. Le marchand m'a souri et m'a souhaité une bonne journée, ce qui m'a fait chaud au cœur. Enfin, je me suis dirigé vers le stand de pâtisserie. Les éclairs au chocolat semblaient irrésistibles et je n'ai pas pu résister à en acheter quelques-uns pour le dessert de ce soir. Avec un sourire reconnaissant, le pâtissier a emballé mes friandises dans un joli sac en papier. En quittant le marché, j'ai senti un sentiment de satisfaction m'envahir. Non seulement j'avais trouvé de délicieux produits locaux, mais j'avais aussi eu des interactions agréables avec les commerçants. Le marché était bien plus qu'un simple lieu d'achat, c'était un endroit où la communauté se rassemblait, où les gens échangeaient des sourires et des histoires. De retour chez moi, j'ai préparé un délicieux déjeuner avec mes trouvailles du marché. Alors que je savourais chaque bouchée, je me suis rendu compte à quel point ces petites escapades au marché étaient importantes pour moi. Elle me permettait de me sentir connecté à ma communauté et de découvrir la richesse des produits locaux. Interesting vocabulary and phrases. Before we start our speaking practice, let's learn some interesting words and phrases from our story to improve our French skills. Étal, une table ou un comptoir sur lequel sont exposés des produits à vendre. Exemple. Les étals du marché étaient remplis de fruits et légumes frais. Croquant, qui a une texture dure ou cassante lorsqu'on le mange. Exemple, j'aime les pommes croquantes pour leur fraîcheur et leur goût sucré. Artisanal, fait à la main par un artisan, souvent de manière traditionnelle. Exemple, j'ai acheté du fromage artisanal auprès d'un producteur local au marché. Dégustation, L'action de goûter de petits échantillons d'aliments ou de boissons pour évaluer leur qualité. Exemple le vendeur de fromage m'a proposé une dégustation de différents fromages. Bouquet un arrangement de fleurs souvent lié ensemble avec un ruban. Exemple j'ai choisi un beau bouquet de fleurs pour l'anniversaire de ma sœur. Reconnaissant éprouvant de la gratitude envers quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Exemple. Je suis reconnaissante envers le marchand de fleurs pour son sourire chaleureux. Friandises. Un petit bonbon ou une sucrerie, souvent consommée comme dessert ou en cas de petite faim. Exemple. J'ai acheté quelques friandises au marché pour notre soirée cinéma à la maison. Escapade. Une courte sortie ou excursion, souvent pour se divertir ou se détendre. Exemple, mes escapades au marché sont toujours un moment agréable pour moi. Rassembler, réunir des personnes ou des choses en un seul endroit. Exemple, le marché rassemble les habitants de la ville pour acheter des produits frais et locaux. Connexion, un lien émotionnel ou social avec quelqu'un ou quelque chose. Exemple, je ressens une forte connexion avec ma communauté lorsque je vais au marché. Now it's time to practice. Repeat after Alison. Je m'appelle Alison. Je m'appelle Alison. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée au marché. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée au marché. C'était une belle matinée ensoleillée lorsque je me suis réveillée. C'était une belle matinée ensoleillée lorsque je me suis réveillée. Après avoir pris mon petit déjeuner. Après avoir pris mon petit déjeuner, j'ai décidé de faire une promenade au marché de mon quartier. J'ai décidé de faire une promenade au marché de mon quartier. En sortant de chez moi. En sortant de chez moi. J'ai immédiatement été accueilli par les senteurs alléchantes des fruits et légumes frais. J'ai immédiatement été accueilli par les senteurs alléchantes des fruits et légumes frais. Les étals colorés étaient remplis de produits locaux. Les étals colorés étaient remplis de produits locaux. Des fraises juteuses, des pommes croquantes et des carottes fraîchement cueillies. Des fraises juteuses, des pommes croquantes et des carottes fraîchement cueillies. J'ai marché lentement, en prenant le temps d'admirer les produits exposés. J'ai marché lentement, en prenant le temps d'admirer les produits exposés. Alors que je flânais entre les stands. Alors que je flânais entre les stands. J'ai remarqué un vendeur proposant des fromages artisanaux. J'ai remarqué un vendeur proposant des fromages artisanaux. Intrigué, je me suis approché pour en savoir plus. Intrigué, je me suis approché pour en savoir plus. Le vendeur m'a gentiment offert une dégustation de différents fromages. Le vendeur m'a gentiment offert une dégustation de différents fromages. Chacun avec son propre goût unique. Chacun avec son propre goût unique. J'ai finalement acheté un morceau de fromage de chèvre crémeux. J'ai finalement acheté un morceau de fromage de chèvre crémeux. Parfait pour accompagner un verre de vin le soir. Parfait pour accompagner un verre de vin le soir. Continuant ma visite, j'ai trouvé un stand vendant des fleurs fraîches. Continuant ma visite, j'ai trouvé un stand vendant des fleurs fraîches. J'ai choisi un bouquet de roses rouges pour ma mère, sachant qu'elle les adorait. J'ai choisi un bouquet de roses rouges pour ma mère, sachant qu'elle les adorait. Le marchand m'a souri et m'a souhaité une bonne journée. Le marchand m'a souri et m'a souhaité une bonne journée. Ce qui m'a fait chaud au cœur. Ce qui m'a fait chaud au cœur. Enfin, je me suis dirigé vers le stand de pâtisserie. Enfin, je me suis dirigé vers le stand de pâtisserie. Les éclairs au chocolat semblaient irrésistibles. Les éclairs au chocolat semblaient irrésistibles. Et je n'ai pas pu résister à en acheter quelques-uns pour le dessert de ce soir. Et je n'ai pas pu résister à en acheter quelques-uns pour le dessert de ce soir. Avec un sourire reconnaissant, le pâtissier a emballé mes friandises dans un joli sac en papier. Avec un sourire reconnaissant, le pâtissier a emballé mes friandises dans un joli sac en papier. En quittant le marché, j'ai senti un sentiment de satisfaction m'envahir. En quittant le marché, j'ai senti un sentiment de satisfaction m'envahir. Non seulement j'avais trouvé de délicieux produits locaux Non seulement j'avais trouvé de délicieux produits locaux Mais j'avais aussi eu des interactions agréables avec les commerçants Mais j'avais aussi eu des interactions agréables avec les commerçants. Le marché était bien plus qu'un simple lieu d'achat. Le marché était bien plus qu'un simple lieu d'achat. C'était un endroit où la communauté se rassemblait. C'était un endroit où la communauté se rassemblait. Où les gens échangeaient des sourires et des histoires. Où les gens échangeaient des sourires et des histoires. De retour chez moi, j'ai préparé un délicieux déjeuner avec mes trouvailles du marché. De retour chez moi, j'ai préparé un délicieux déjeuner avec mes trouvailles du marché. Alors que je savourais chaque bouchée, je me suis. Alors que je savourais chaque bouchée, je me suis. Rendu compte à quel point ces petites escapades au marché étaient importantes pour moi. Rendu compte à quel point ces petites escapades au marché étaient importantes pour moi. Elle me permettait de me sentir connecté à ma communauté. Elle me permettait de me sentir connecté à ma communauté et de découvrir la richesse des produits locaux. Et de découvrir la richesse des produits locaux. I have prepared a quiz for you based on a learning story. Try to answer all the questions correctly. Listen to the story carefully one more time. Je m'appelle Alison. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée au marché. C'était une belle matinée ensoleillée lorsque je me suis réveillée. Après avoir pris mon petit-déjeuner, j'ai décidé de faire une promenade au marché de mon quartier. En sortant de chez moi, j'ai immédiatement été accueillie par les senteurs alléchantes des fruits et légumes frais. Les étals colorés étaient remplis de produits locaux, des fraises juteuses, des pommes croquantes et des carottes fraîchement cueillies. J'ai marché lentement, en prenant le temps d'admirer les produits exposés. Alors que je flânais entre les stands, j'ai remarqué un vendeur proposant des fromages artisanaux. Intrigué, je me suis approché pour en savoir plus. Le vendeur m'a gentiment offert une dégustation de différents fromages, chacun avec son propre goût unique. J'ai finalement acheté un morceau de fromage de chèvre crémeux, parfait pour accompagner un verre de vin le soir. Continuant ma visite, j'ai trouvé un stand vendant des fleurs fraîches. J'ai choisi un bouquet de roses rouges pour ma mère, sachant qu'elle les adorait. Le marchand m'a souri et m'a souhaité une bonne journée, ce qui m'a fait chaud au cœur. Enfin, je me suis dirigé vers le stand de pâtisserie. Les éclairs au chocolat semblaient irrésistibles, et je n'ai pas pu résister à en acheter quelques-uns pour le dessert de ce soir. Avec un sourire reconnaissant, le pâtissier a emballé mes friandises dans un joli sac en papier. En quittant le marché, j'ai senti un sentiment de satisfaction m'envahir. Non seulement j'avais trouvé de délicieux produits locaux, mais j'avais aussi eu des interactions agréables avec les commerçants. Le marché était bien plus qu'un simple lieu d'achat, c'était un endroit où la communauté se rassemblait, où les gens échangeaient des sourires et des histoires. De retour chez moi, j'ai préparé un délicieux déjeuner avec mes trouvailles du marché. Alors que je savourais chaque bouchée, je me suis rendu compte à quel point ces petites escapades au marché étaient importantes pour moi. Elles me permettaient de me sentir connecté à ma communauté et de découvrir la richesse des produits locaux. Fantastic work today. Keep up the amazing effort. Remember that daily practice brings you one step closer to becoming fluent in French. Don't forget to like, share, and subscribe for more enjoyable French lessons. Happy learning and see you soon!